coopération belge au développement, ENABEL, a appuyé pendant 13 ans l'éducation formelle au Burundi, de 2011 à 2023. L'appui de ENABEL a également porté sur les 4 instituts universitaires de formation initiale des futurs enseignants du poste fondamental, parce qu'il fallait donner aux étudiants sortants qui allaient être recrutés dans les écoles du poste fondamental, il fallait leur donner les mêmes compétences demandées par les normes de la réforme mise en place. Et donc nous avons formé les 200 professeurs sur ces nouveaux outils. Nous les avons d'ailleurs formés via une plateforme e-learning très moderne, très attractive, très ludique. Et voilà, j'aime les chiffres et je peux dire que 80% des professeurs sont vraiment très enthousiastes et très satisfaits de cette plateforme. Nous sommes vraiment satisfaits d'abord de cette approche, de cette démarche de l'ENABEL qui a voulu bien sûr contribuer au développement du système éducatif burundais. Alors au niveau des institutions, c'est vrai, la satisfaction est là parce que si on peut partir même des chiffres, l'exemple, c'est l'économie supérieure. On a eu quand même environ 50 enseignants qui ont reçu des certificats qui attestent que réellement, ils ont suivi l'un ou l'autre module de formation. Et donc, suite à notre appui, on a eu des résultats favorables. On a formé 25 000 enseignants de toutes les écoles du pays, les 1200 écoles, tant public que privé. Un autre aspect important, c'est la mise à la disposition de l'école normale supérieure d'un serveur qui permettait, qui assurait la formation en ligne sans toutefois avoir besoin de la connexion. Et ça a aussi permis à un certain nombre d'enseignants de pouvoir se connecter pour pouvoir suivre la formation en ligne.